Internet. Ouais. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Tu sais, avant Internet, ça allait. Tu le croisais en soirée, tu disais, ah, la Terre est plate. Tu es là, ouais, bah, je vais me reprendre la sangria. Moi, tu vois. Et tu le laissais dans son coin. Lui, aujourd'hui, il a Internet. Et il trouve des gens sur Internet qui lui disent, mais oui. Mais moi aussi, je pense que la Terre est plate. Et ils se confirment entre eux comme ça. Ils se réunissent sur des forums. Et moi, je m'inscris sur ces forums. Parce que je passe vraiment de très bons moments. Et vous savez quoi? Je les confirme dans leur thèse aussi. Je ne cherche même pas à les contredire. Il y en a un qui a dit « La Terre ne tourne pas, sinon on devrait sentir le vent que ça fait. » Je lui ai dit « Oui. » Je lui ai dit « Apparemment, la Terre tourne à 1600 km/h, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on devrait marcher comme ça. » On arrivera en retard chez les amis, on dira « Ouais, mais t'habites à contre-vent aussi, c'est pas pratique !» Il y en a un qui a dit « La Terre ne tourne pas, sinon les avions se cracheraient au moment d'atterrir. » Donc lui, il pense que les avions arrivent comme ça, il voit la piste d'atterrissage qui s'en va, comme ça. Les pilotes « Oh !» Je lui ai dit « Mais oui! Oui, tu as raison, t'as raison. Selon ta thèse, la Terre ne tourne pas, sinon à chaque fois qu'on saute, on se prendrait le mur, en fait. » Attends, il pense que les pilotes sont complices. Ils pensent que les pilotes savent, ils pensent que les pilotes sortent de l'école. Mais on leur dit, par contre, pour la Terre plate. Hein. Et l'autre, il est là. Et à chaque fois qu'on est dans un vol long courrier, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive au bord du monde, ben, il nous le cache, il dit, ah, regardez-moi ta gauche, hop là. Il y en a un qui a posté une photo de l'horizon de l'océan, tu vois. Il a dit, j'étais en vacances à Biscarrosse. Vous avez vu comme l'horizon est plat? Et c'est pas possible de mettre autant d'eau sur une boule. Lui, il m'a séché, lui. Lui, scientifiquement, c'est imparable. Hein, c'est imparable, scientifiquement. Je lui ai dit déjà merci d'être allé à Biscarrosse pour tes expériences. Merci, merci de nous rendre service. Et je lui ai dit, t'as raison, la Terre doit être plate. Il faut juste qu'on croise les doigts pour pas qu'elle penche. Bah sinon, l'eau va se déverser quelque part. Hein, faut qu'on se mette d'accord pour bien se répartir sur Terre, pour pas être trop lourd. L'Asie me fait peur. Eh, tsunami, ils étaient trop nombreux, hop, on a penché, beaucoup d'eau. On pourrait dire ça aux migrants, dégagez, on va être trop lourd, dégagez. Il y en a un qui a dit la Terre n'est pas ronde, sinon on pourrait pas dire aux quatre coins du monde. Mais quoi? Mais là j'avais des sensations. Je te jure, j'avais des papillons dans le ventre, c'est comme ça. Oh, j'ai mis oui, merci. Merci de mettre de la poésie là-dedans. Mais selon ta thèse, la Lune n'est pas si loin. Sinon, Amel Bent, te dirais jamais, viser la Lune, ça ne me fait pas peur, en fait. Ces gens-là ont des leaders. Ils ont des leaders. Il y a un rappeur qui s'appelle B.O.B. Il veut financer un satellite. Il a demandé aux internautes de financer un satellite pour prouver que la Terre est plate. Le principe du satellite, c'est de tourner autour d'une planète. Tu veux prouver que la Terre est plate parce que la Terre est ronde? Mais je veux qu'on lui paye son satellite, moi! Je veux qu'on le mette dans son satellite, on l'envoie en orbite, lui! Il fait des tours de planètes comme ça. Donc il dit, qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est vrai que la Terre est ronde, je veux bien rentrer, mais non! Tu restes, tu réfléchis! Tu réfléchis! Depuis des centaines d'années, des scientifiques cherchent. Ils se sont tous mis d'accord, toutes les cultures confondues, toutes les religions confondues se sont mises d'accord pour dire que la Terre est ronde, et eux, ils sont dans leur canapé, en slip, sur Facebook. Non! Photo de Biscarrosse! T'imagines Galilée, il voit ça, Galilée, il a eu un procès pour dire que la Terre tournait autour du Soleil. Et à l'époque, les procès, c'était pas genre 2000 euros d'amende, diffamation, non, non. Tu dis quoi, Galilée? Prépare les bûches. Et Galilée, il a vu ça, il a dit, non, j'ai mal fait mes calculs, en fait. Non, je me suis trompé dans mes calculs. Selon mes calculs, la Terre est comme toi t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? Les gâteaux? La Terre est un gâteau, voilà. Il y a un mec qui a dit. Il y en a un. Il a dit la Terre est recouverte à 70% d'eau et l'eau est soit plate, soit gazeuse. Il a ajouté la Terre n'est pas une planète gazeuse.
Je voulais relancer, j'étais comme ça. Je pleurais, je pleurais. Des larmes de joie d'avoir découvert le génie inversé. Ce mec utilise toutes les capacités de son cerveau dans la mauvaise direction. Il a un QI négatif. Moins 140 de QI. Je voulais en savoir plus sur lui. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton but ?» Et il m'a répondu « Contre Kems ».